Et salut tout le monde, c'est Sifano, bienvenue pour ce nouvel épisode de Super Mario Maker. J'espère que vous allez toutes et tous bien, content de vous retrouver donc pour découvrir ensemble trois nouveaux niveaux après le dernier épisode qui vous a bien plu avec des niveaux assez variés. Je voulais juste donc réagir et m'excuser auprès de la personne. Beaucoup de gens dans la dernière vidéo m'ont dit mais tu sais CB Games, en fait c'est un youtubeur donc je ne connaissais absolument pas. Je suis allé vite fait voir, effectivement c'est un youtubeur qui est pas mal connu, je crois il a 300 000 abonnés, un truc comme ça. Donc je ne connaissais pas, mais voilà, beaucoup d'entre vous connaissaient visiblement, surtout qu'il fait aussi du Mario Maker. Et bah voilà, du coup je m'excuse auprès de lui, je voulais pas blâmer ou quoi que ce soit, ou auprès des gens qui le suivent, c'est juste que je ne connaissais absolument pas. Et certains par contre ont cru que, vu que dans le titre du niveau il y avait son nom, certains ont cru que j'étais allé piocher chez lui. Alors là je tiens à vous rassurer, mais vraiment pas. C'est quelqu'un dans la liste des commentaires qui m'avait dit tiens, je t'ai fait un niveau. Bon, il se trouve qu'il l'avait fait aussi pour lui, mais... Bref, c'est quelqu'un qui me l'a proposé, tout simplement. Voilà, donc maintenant que cette petite précision est faite, on va partir donc sur le premier des trois niveaux que j'ai sélectionné pour aujourd'hui. Et donc on attaque tout de suite ce premier niveau avec un niveau en Super Mario Bros. U qui s'y frotte, s'y pique, de Inversaders, un français donc qui m'a posté un petit message sur YouTube directement, qui m'a dit salut Sifano, j'ai fait deux niveaux que je trouve assez sympas, je te laisse en choisir un. Voilà, j'en ai choisi un des deux, écoutez, avec un taux de réussite assez haut on va dire, donc ça doit pas être un niveau très compliqué, on va voir, un niveau certainement avec des pics. Et j'ai remarqué que bah, plus que les niveaux de rage, beaucoup d'entre vous aimaient bien les niveaux finalement qui étaient bien construits, pas forcément très durs, mais juste... Voilà, donc ça c'est très utile ce que je viens de faire, mais juste des niveaux finalement bah, assez tranquille. What? Oh mon dieu. Non mais please. Oh mon dieu, mais il y a des mobs dans tous les sens. Bon, je sens que ce niveau va être galère un petit peu, vous le sentez aussi? Attendez, parce que du coup... Ok, comment déjà je... Ouais, comme ça. Ok, donc maintenant que j'ai ça, ça devrait pouvoir aller. Quelle était la probabilité que je me le prenne sur la face comme ça? Je vous laisse me le demander. Non mais... oh mon dieu, avance, oui! Oui, non! Oh non! Ok, donc le niveau est court, mais OMG le truc quoi. Run, 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 run for your life! Vite, je le veux! Non! Non, je l'aurai! Allez, attention, attention, go! Go! Oui! Je l'ai eu! Je l'ai eu! Oh mon dieu, mon dieu! Ah mon dieu! Ah mais, vous savez comme c'est frustrant quand tu te fais choper à la fin! Bon, en gros, bon, j'ai pas réussi à avoir les... à garder le champi qui me permettait de voler. Mais pourquoi pas? C'était un style de niveau qu'on avait encore jamais eu. Genre un peu... pas forcément, je vais lui laisser une étoile. Pas forcément difficile dans la conception, mais fallait faire vachement attention parce qu'il y avait des mobs partout. C'était plutôt sympa, c'était très rapide. J'ai pas battu le record du monde, dommage. C'est pas grave, on va pas refaire un essai. Mais voilà, un petit niveau tranquille pour se mettre en jambes. Et maintenant, on va voir un petit peu, eh bien, un niveau, pourquoi pas, certainement plus long. Hein ? Allez, à tout de suite. Ok, donc on est parti pour un niveau en Super Mario Bros. De Maxou, qui s'appelle le niveau Paragent pour Sifano, donc... Merci. Voilà, donc un niveau qui semble être plutôt tranquille. Et il m'a dit, Sif, j'ai fait un niveau marrant où tu peux incarner Link ou Shake, que tu n'as pas encore essayé. Je pense qu'il te plaira et qu'il plaira à tout le monde, car il est super bien fait. J'espère l'avoir dans l'un des prochains épisodes. Bah écoute, Maxou, merci à toi de me le proposer. On va tester. Donc ça a encore rapport avec Zelda. Mais beaucoup d'entre vous me proposent des niveaux en rapport avec tel jeu ou quoi. Donc bon, je prends. Écoutez, on va voir. Alors attendez, parce que pas dur. Pas dur, vous me connaissez, hein. On va voir. Parce que par exemple, voilà. Je veux dire. Voilà. Comment est-ce que je suis censé démarrer en fait? Ok, tout simplement, très bien. Donc c'est une Triforce. C'est moi qui sais pas faire ce qu'il faut. Attendez, y'a quoi là-dedans? Ok, ok, alors. Est-ce que je vais être Link ou Shake? Je suis Link. Je suis Link pour l'instant. Link. Est-ce qu'il y a quelque chose pour être Shake? Je ne sais pas. Oulala. Attendez, 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 attendez. Genre si je prends ça, donc okay, c'est une pièce. Ouh. Et là. Ok, c'était pas par là. On est toujours Link. Et cette fois-ci, et si je prends ça, est-ce que je vais être Shake? Ah, oh, c'est énorme. Ah, oh, c'est énorme, je suis Shake, quoi. C'est trop cool. C'est tellement cool. Cool. Attendez, on va revenir. Parce que... Non mais please, 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 please. Laisse-moi remonter.
Mais c'est vraiment cool toutes les transformations. Hop. D'accord. C'est très... C'est cool la musique en tourneur. C'est très très dur finalement d'évaluer la distance. Alors attendez. Oui. Oui, on est passé. On est passé, prends tout ça. Et alors là, attention. Oui, nom de moi. Qu'est-ce qu'il faut que je... What? Mais... Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Mon dieu, j'ai les danseuses, c'est le bordel. Run, 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 run. Ok, je me suis un peu emballé. Ok, ok, pas de bêtises, pas de bêtises, pas de bêtises. J'avance super vite là. Ne faisons pas de bêtises. Ok, je peux choper directement ça, d'accord, très bien. Je peux le choper. Je sais pas pourquoi je peux en changer. Dans le doute on change. Dans le doute on change aussi. Eh oui. Et j'ai trouvé le moyen de pas le choper depuis en haut, bon c'est pas grave. Ah, ce niveau était cool. Ce niveau était vraiment classe. Ah, avec la petite musique de fin. Ah, j'ai vraiment bien aimé, merci à toi Maxou, je crois. Je crois que c'était Maxou, je ne suis pas sûr. Est-ce que c'était Maxou? Peut-être. Étais-tu Maxou? C'était Maxou! C'était Maxou! Bon ouais, merci à toi Maxou en tout cas pour ce niveau, qui n'était pas rageant, c'est vrai, il était plutôt tranquille, et qui avait été créé, je crois, pour l'occasion, puisque c'est la première réussite. Bon, on va tout de suite attaquer donc le dernier niveau du jour. On va voir ça, peut-être un niveau... Je sais pas, peut-être un niveau un peu plus galère ou pas, je ne sais pas ce qu'on va prendre, on va voir, je vais voir ce que j'ai en stock. Et donc on est parti pour ce troisième niveau en Super Mario Bros 3, Énigme et Troll pour Siphano. Donc ouais, celui-ci a été fait pour moi encore une fois, merci Nono, merci à toi. Et il m'a dit sur Twitter, petit niveau pour Siphano avec Aventure Pokémon comme promis. Enjoy, donc on va voir. Donc sur le hashtag SiphanoMaker, d'ailleurs depuis le dernier épisode je ne mets plus le petit bandeau hashtag SiphanoMaker en dessous de la cam, mais c'est parce que je considère que vous l'avez intégré, mais vous pouvez bien évidemment continuer à m'envoyer des niveaux sur le hashtag SiphanoMaker, je le mettrai je pense en description pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Alors du coup, Énigme et Troll, très bien, donc il n'a pas voulu sauter, ça commence très très bien, ça commence merveilleusement bien, je veux dire, il n'y a pas de souci. Donc... Hop là, voilà. On va dans la chaussure. Des bouts. Très bien, très bien, très bien. Ok, ok. Ah, très bien, très bien, très bien. Comment je sors? What? What? Mais je suis piégé là. Je peux pas ressortir. Attendez, du coup je suis obligé de recommencer le stage. C'est bizarre. Pas que je me fasse avoir, il y avait pas d'échappatoire, enfin je crois pas. On va avancer. Et mais là. Peu importe, je suis foutu. What? Je comprends pas parce que je suis obligé de descendre. Ok, on est passé, très bien. C'était assez chaud. Alors du coup, j'ai deux portes au choix, celle de droite. En espérant que ce soit la bonne. J'ai l'air en vie, ce qui est déjà un bon point. Ah. On parie que... Non, ok, je peux passer par là donc. Alors attendez. Faut que j'essaie de trouver le bon chemin. Enfin, le bon endroit où je peux passer. Genre là je peux passer on dirait. Ok. J'ai activé un truc. Ah oui. Non. Non. J'ai pas fait exprès, je voulais prendre la porte de gauche. Ok. Cette fois on se dépêche et on ne se foire pas. Ok. Donc on a terminé je crois. Il n'y avait pas de Bowser. Attendez, est-ce qu'on a terminé? Vraiment, je crois que oui, c'est bon, on a fini. Bon, c'était un petit niveau énigmatique, effectivement. Mais plutôt sympa, j'ai bien aimé. Par contre, Aventure Pokémon. Je pense que... Alors, Nono, si tu m'entends, je pense que tu as dû faire plusieurs niveaux et tu as dû m'envoyer le mauvais niveau.
Enfin, le mauvais ID avec ton message, parce que c'était pas un niveau Pokémon, par contre. C'était un niveau énigme et troll, effectivement. Mais il était pas mal, j'ai bien aimé. Juste dommage, peut-être qu'il y avait pas de... Par exemple, quand on tombait, qu'on était bloqué, il n'y a pas de moyen de se suicider ou quelque chose comme ça. J'étais obligé de recommencer le truc. Mais le niveau était plutôt cool, en tout cas. Bon, bah écoutez, voilà. C'était plutôt sympa, cette petite session, avec des niveaux, encore une fois, très cool. Petite information pour vous, il faut que vous sachiez que je vais être absent cette semaine. Et donc, les deux prochains épisodes que vous allez voir seront tournés... pas forcément à la suite, mais en tout cas vont être tournés avant que vous ayez la diffusion de celui-ci. Donc voilà, donc je vais prendre une petite semaine d'avance, enfin 3 épisodes d'avance sur vous en comptant celui-ci. Mais rien de très grave, vous pouvez continuer à m'envoyer des niveaux. Là, de toute façon, j'en ai une liste incalculable, donc je peux... voilà, je suis blindé, quoi, il n'y a pas de souci. Et je vous retrouve dans tous les cas dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien tout le monde d'ici là. N'oubliez pas, hashtag Siphanomaker, ce sera écrit dans la description. Et puis, sur les commentaires YouTube, vous laissez un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Vous pouvez me faire part également de vos astuces dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.